La méditation de ce 3 septembre est intitulée « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos 4, 12. J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Alors que les péchés des croyants repentants sont effacés des registres célestes du sanctuaire, il doit y avoir un travail spécial de purification. Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé la préparation nécessaire. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Ceux qui refusent d'être modelés par les prophètes, qui ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité, ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle n'est en réalité, arriveront au temps des fléaux et s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie de l'édifice de Dieu. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos 4, 12. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.